Et nous voilà arrivés à la Beaujoire. Donc le parc des expositions, il est juste derrière. Et puis bah, ici, voilà, c'est le stade. Allez, allez, les Canaries, FC Nantes. Bon, ils font rien en ce moment. Bon, il y a Vaïdel Ilodic qui a repris, qui a fait l'entraîneur. Hein. On va voir ce que ça va donner. Pour le moment, c'est pas terrible. Mais bon, allez les jaunes quand même, on y croit. Voilà. Tout s'était filmé, c'est dans la boîte. Hein. T'es contente, Clémence, alors? Ouais? Tu applaudis? Ouais? Non? Oula! Fais la tête, qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, tu veux pas être... Elle veut pas te filmer. Alors, ouais? Heureuse? Alors voilà, ouais, ici c'est les camions aménagés. Alors moi je suis pas du tout camion aménagé. Ça me branche pas. Mais... T'as vu, c'est les camions aménagés. Bah moi je préfère. Ah tu préfères? Bah non, avec les gosses c'est galère. Voilà, donc le truc là il se baisse en fait. Donc les parents ils dorment en haut, les enfants en bas. Non, il y a un lit aussi derrière. Sauf que voilà quoi. C'est peu. Combien? Ça vaut combien? 40 000 euros. Non, j'aime pas. On aurait peut-être plus apporté à manger, on aurait pris un camping-car, on n'aurait pas mangé dedans. Bah oui, je vous avais proposé de venir avec Bubule. Donc là, on est sur un McLouis. Toilette, viens voir. D'accord. Toilette. Ouais, c'est bien. D'accord, ok. Puis là, la douche. Ouais. Bon, ça, c'est plus pour Pépé. Hein. Pour Pépé et Mamie. Voilà, comme ça, ils ont leur lit ici. Et puis par contre, ouais, grand frigo, quoi. Ça c'est bien. Je sais pas comment ça marche. Enfin, c'est pas mal, quoi. Et puis bah, ça c'est très à la mode, hein, le salon face à face. C'est très à la mode. C'est le lit comme nous, c'est bien, mais il n'y a pas de lit superposé. Ah si, vous avez un grand lit. Bah ça c'est, ouais, ça serait pour les filles, quoi. Mais bon, moi je suis pas très très fan. De toute façon, c'est... Et puis bah, par contre, il y a un grand frigo, hein. Il n'y a pas de hotte. Ah si, une petite hotte, j'ai l'impression. Bon. Voilà, bon, ça c'est McLouis. Bon, il y a quelques trucs sympas, quoi. Bon, voilà, on va aller voir le reste. Donc là, on est sur une porte arrière. Ah ouais, les lits superposés à l'arrière. Pas mal. Ah ouais, ah, en intégrale. Pas mal. Ah, il est pas mal. Bah, je crois que la Clémence, elle veut venir voir. Oui, mais... Et du coup, là, une grande penderie, ouais, super. Et là? Et ça, c'est toilette et douche. Ah, c'est pas mal. Hein. Avec vraiment... Ah ouais, puis c'est grand ici. Et... Ah si, il est bien celui-là. Par contre, 64 000 euros. Quoi. C'est trop cher. Ah si, il est bien. Hein. Tu te vois dormir ici, Jeanne, ou pas? Non, moi... À l'arrière, là. Non, je vais dormir ici, voilà. Ah, en bas? D'accord. Donc ça c'est le quoi? Ah c'est un McLouis. 64 000 euros. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Puis ben nous on dormira ici. Ouais. Voilà. Bon. Florium. Ah ouais. Putain, il est énorme le truc. Il est énorme. Avec le salon comme ça, d'accord. Donc un lit ici. Ah voilà, mais alors, par contre les filles, faut vous dormiez. Voilà. La douche. Et puis j'imagine qu'en fait, quand on veut dormir, peinard, voilà. Donc les toilettes, ils auraient pu nettoyer. Hein. Bon. Ah coucou. Ouais, c'est la douche. C'est beau, hein? Oui, il est beau. Voilà. Ouais, ouais, c'est le dodo. Donc beaucoup de camions aménagés quand même. J'ai l'impression que c'est un peu la tendance. La tendance c'est sur les camions aménagés. Et ça, je sais pas ce que c'est. C'est un truc 4x4. Clémence. Et voilà, nous voilà sur le stand tant attendu. Itinéo. Haha. Itinéo.
Voilà. C'est pas le SLB 700. Il est un peu crame. Donc allons voir. Donc à partir de Pack Life, machin. 2 litres 3, 130 chevaux, nanana, 60 000 balles. Alors allons voir. Est-ce qu'on va être déçu ou pas? Alors déjà, ici, bon bah moi je suis pas déçu ici. Ah, il y a la petite caméra de recul apparemment, là, on est sur du Fiat. Petite autoradio, lit pavillon ici. Et voilà, donc voilà l'histoire. Donc du coup, c'est parfait quoi, quand on a trois gamins. Tête froide, comment ça, ça marche, comment ça? C'est pas votre chambre ça. Ah ouais, super. Ah ouais, il est énorme le... Vous avez même votre petite armoire. Voilà, là c'est l'emplacement pour la téloche, mais nous on n'est pas trop. L'armoire, okay, les chaînes. Le tableau de commande. Ouais. Par contre, ils auraient pu mettre ça à droite. Hein. Bon. Donc les toilettes. Alors les toilettes, ça marche comment? Ça marche comme ça pour fermer. Ouais, c'est, ça c'est pas génial par contre. On y mettra un filet. Bah, d'ailleurs, il y a déjà des protections prévues. Ouais, ça c'est pas génial. Ah, la douche, c'est cool. Et puis, ce qui est cool aussi dans le SLB 700, c'est que... Attends, comment ça marche? Voilà. Voilà. C'est que quand on en a marre, quand les parents en ont marre, et voilà, on peut être peinard et les gosses dans leur pioule. Exactement. C'est voilà, tout. SLB 700. Par contre, ça manque d'une hotte. Fais voir la chambre. Non, non, voilà, ça aller. C'est... Du coup, c'est votre chambre, le coin bureau mais pour pouvoir travailler. Comment ça va dormir en haut et toi en bas? Moi j'aime bien la SLB 700, mais il faut qu'on aille voir le 740. Et fais voir la ponderie là. Ponderie et l'échelle. D'accord. Ah bah l'échelle, d'accord, elle se met là. Il y a... Attention, là, 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 les dents. Bon bah voilà quoi. Voilà donc le lit pavillon. Voilà, et papa, maman, ils dorment là. Et puis bah nous on dort ici. Alors voilà, maintenant on va aller voir le SB 740. Donc, ce qui est pas mal avec Itinio, c'est quand même que c'est une marque française. Donc allez la France. Encore mieux là. Alors le 740. Ah bah là déjà il y a plus de place ici. Donc plus de place. Et puis bah la, voilà, la chambre elle est faite différemment. Bah, je préfère le 740. Ah oui c'est plus. Voilà, les placards comme ça. Mais il y a une table aussi hein, qui se met. Oui, on la met aussi. C'est plus cosy. C'est largement suffisant. Voilà. Et puis bah, la table, tu vois, elle tourne. Et puis on peut avoir un troisième enfant ici, comme ça. Quoi. Et l'avantage, c'est que. Donc là, il y a la douche ici. Attention, Clémence. Donc il y a la douche ici. Et puis bah, quand les enfants vont se coucher, et bah, tu fermes la porte ici. Là, celle-là. Ah, d'accord. Tu fermes la porte, et puis voilà. Les toilettes restent ouvertes. Bah, par contre, les toilettes restent ouvertes. Et bah, regarde, elle est là. Regarde le frigo, magnifique. Il est enfermé ici, oui, mais moi. Bon, effectivement, le slim est pour... Au revoir. Voilà, ici, il y a quoi, là? Ça, c'est pour mettre la télé, là, j'imagine. Là. Et puis, bah, toutes les LED aussi, là, c'est là. Superbe. Non, mais pas si. Toutes les LED, caméra... Aïe, là. Caméra de recul, je me suis pris le truc. Ah, les toilettes restent. Le lit pavillon... Non, on joue pas avec la porte, hein. Bah, le lit pavillon, voilà, c'est super. Hein. Voilà, c'est... Avec le lanterneau, si on veut. Tu veux voir le lit? Bah, le lit, il est pas mal. Hein. C'est un quoi, ça? 140? 120? Je sais pas, faut regarder sur la notice. Mais... Fermé! Hop, attention de pas tomber. Super. Hein. Voilà, super. Voilà. Bah, c'est un peu ce que j'aimerais avoir. Ah, mais non, regarde, chat, n'importe quoi. Quoi? Ah non, c'est ici, la porte coulissante, regarde. Oui, voilà. Donc tu peux quand même isoler les... Alors celui-là, il n'a pas de hotte, par contre. Il peut aussi fermer ici. C'est trois feux. Voilà, bah c'est ah ça, oui, donc c'est en fait, ça l'idée. Tu fermes la voilà, porte des ici, enfants. C'est ça, c'est ici que tu fermes. Tu fermes la porte des enfants. Tout en LED. Mais tu peux aussi te fermer la porte si jamais tu veux... Voilà, quoi. Arrête, non, on ne joue pas avec les portes. On joue puis pas avec le salon un peu carré, voilà. Bah, là, c'est pas mal. Hein. Nous sommes là pour vous... Voilà, SB 700. Sauf qu'il faut avoir le salaire qui suit pour pouvoir rembourser un crédit. Mais... Ah oui, d'accord. Ça, c'est les lits arrière comme ça. Des lits arrière comme ça. Ah oui, je crois que je l'avais déjà vu. Oh, la coiffure.
Ah ouais, puis donc. Ah ok, ouais. Ah, je crois que je l'avais déjà vu celui-là. Et je suis pas ultra fan, on va dire. Mais il est quand même pas mal, hein. C'est vrai que c'est quand même bien. Ah oui, c'est que le salon, il est énorme. Et ça, c'est quand même cool. Voilà, c'est le, ouais, c'est le 700, quoi. Avec un grand frigo. Voilà, congèle. Grand frigo. Ici, on a le truc pour mettre une téloche. Voilà quoi. Ici, un coffre encore, voilà. Et puis ben, comment ça marche? Regarde, là, il y a les toilettes. Ah mais ça s'ouvre que comme ça quoi. Pour passer, c'est pas génial. Non, il doit y avoir, ça doit se montrer plus. Donc on va pas tout casser. Ah bah non, ça se bloque là. Bah ouais, c'est ça que je comprends pas. Ah bah oui, regarde, c'est bloqué là. Et si tu... vas-y, essaye. Ah, non. Comme ça, Maxime, ça suffit. Ouais, bon, je suis moins fan. La chambre arrière là. Il y a un grand salon. Par contre, le salon, il est immense. Ouais. Là. Enfin, je préfère avec la chambre arrière. Ouais, tu préfères? Oui, je préfère avec la vraie chambre qu'on peut faire pour les enfants. Je me sens un peu étouffé là, tu vois. J'arrive pas à respirer. Ah si, tu peux fermer là quand même. J'ai l'impression. Ah, ça c'est pas mal par contre. Tu peux quand même fermer ici. Voilà, pour avoir un coin de nuit, quoi, pour les parents. C'est quand même pas mal. Caméra attends, recule, attends, attends, j'ai une salaire par contre. Ok. Ah, par contre. Ouais, par contre, le lit pavillon, c'est vrai qu'il est immense. Quoi. Il est plus grand? Ah, c'est immense. J'ai l'impression que c'est de la merde. C'est immense, ça a pas l'air très très solide. Rien n'a l'air solide, regarde l'épaisseur des machins. Tu vois, avec ce truc là. Bah, c'est tout léger. Hein. Non, c'est fragile. Touche pas. C'est un peu laqué là, mais bon. C'est vrai que ça a pas l'air solide. Toi, tout est en plastoc, quoi. Maman, maman. Ça a pas l'air qualitatif, quand même, tu vois. Ça bouge, quoi. C'est pas du Laïka, quoi. Non, c'est comme ça. Ah, du coup, il y a la soute arrière sous le lit, là. Ça, par contre, c'est pas isolé, quoi. Bon. Pour pouvoir mettre pas mal de bazar, quoi, du ski. J'imagine que ça s'ouvre pour faire une grande soute. Bon, voilà, quoi. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Il y a Clémence qui arrête pas de... Bon, allez. Oh la vache. Ah ouais, bah Carthago, c'est la grande, très très grande classe. C'est la radio. Super. Ouais, Carthago, c'est vraiment la très très grande classe. Un grand lit ici, des toilettes, c'est super. Le salon. Il n'y a pas la hotte par contre. Arrête de toucher à tout. Ah, ils ont même la cafetière, tu as vu. Le cafetière Senseo. Pourquoi les lumières, ils laissent? Le four. Pourquoi ils laissent les lumières? Voilà, le four, super. Ouais, Carthago. Ah ouais, génial. Ouais, c'est quand même la très très grande classe, Carthago. Combien? 173 000 euros. 173 000 euros. Bon allez, on va aller manger, on s'en va, on vous dit à bientôt. Et nous voilà, après le salon du camping-car, on a déposé les filles chez mamie. Et puis du coup, bah, on se retrouve dans Auguste. Voilà, moi je suis hyper contente, t'es contente aussi d'aller faire un petit tour avec Auguste? Bah, une fête, ça va nous servir pour dormir, c'est vrai que c'est la première fois qu'on le fait. Ouais, bah ouais. C'est cool. Parce qu'un camping-car, ça peut servir aussi à ça, c'est-à-dire que on peut aller à l'anniversaire de copains ou de copines, et puis bah, dormir dedans, quoi. Comme ça, ça évite de se faire cramer par les flics, parce qu'évidemment, à mon avis, on va boire un coup, quoi. Peut-être pas des masses, mais assez pour être au-dessus de la norme, quoi. Donc voilà, bah, y a tout le matos. Je sais pas si on va prendre des images de la fête, on verra quoi. Je vais demander l'autorisation déjà.
Et puis bah sinon, si on va peut-être essayer de prendre quelques images de la route, quoi. C'est sympa, on va à Saint-Georges de Monté. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bye. Voilà quoi, les routes de Vendée. Beaucoup de chance, ça pue un peu, à vrai dire. J'imagine que ça tremble un peu, je suis désolé, j'ai toujours pas acheté le stabilisateur parce que j'ai pas de sous. Mais peut-être un jour, quoi, voilà. N'hésitez pas à faire des dons hein, sur Tipeee, tout est dans la description. Voilà, ça sera bien utilisé. Voilà, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux que les gens ils nous fassent des dons? Ah ouais, ouais. Je vais pour ouvrir un compte aussi pour arrêter de travailler et qu'ils me payent mon salaire. C'est vrai? Ah ouais, bah ouais. Pour faire que de la vidéo, tu veux devenir youtubeuse professionnelle? Non, glandeuse professionnelle. Ah ouais, ouais, c'est pas mal ça. Bah c'est pas de la glande, hein. C'est du travail, hein, le montage, tournage, écrire les scénarios. C'est beaucoup de boulot quand même. Hein. T'as qu'à faire la manche avec ton camping-car, c'est un peu facile. Ouais. On part à Sarlat avec les filles. Ah non, mais sans doute pas. Ah moi, bon, je fais pas la manche et j'ai pas de cagnotte type sur internet. C'est vrai? Ah, ah bon. Alors, on arrive dans 5 minutes. Voilà. La Poite Vinière. On va passer à côté. Ah, il y a toujours des noms un peu bizarres. Quoi. Voilà, bon, bah, c'est sans grands intérêts, donc je coupe. Et donc voilà, on est arrivé au spot chez les potes. Donc c'est cool quoi, la vue est belle. Hein. La Maine qui passe en bas. Hein. Super, là c'est le camion de Pierrot. Voilà, on reconnaît les bénévoles du Hellfest. Hein. Voilà, puis on a spoté Auguste ici. Donc voilà quoi. Et ben. Je peux vous filmer ou pas? Ah oui, oui, ouais. Oui. Ouais, vous êtes abonné à la chaîne de toute façon. Ah, nous sommes des fans. Non, on ne s'abonne pas facilement. Ah, toi Pierrot, toi t'es abonné. Ouais, voilà, donc c'est un peu le concept dans les voyages d'Auguste, quoi. On fait des teufs avec nos abonnés. Magnifique. Avec nos abonnés. C'est le vrai, c'est celui-là. C'est celui qu'on voit dans les films, c'est clair. C'est celui à 10 000 d'abonnés. Non, par contre, on va arriver aux 10 000 vues. Donc voilà quoi, Auguste. Ah, faut que je remette en place le truc. Et puis il manque du coup, il manque le pare-boue de l'autre côté. Vous êtes un peu branché, pas. Ouais, oui, c'est pas grave, c'est mieux quoi, pour la douche. Il y a bon, voilà quoi. Royal. Donc voilà quoi. Je suis fier. Ouais. Voilà, tu l'auras vu, Pierre. Et ça va, Eliott? T'es content de voir Auguste? On en a tellement parlé de ce camping-car et il est là. N'empêche qu'on a été. Tu dis, miaou. Miaou. Pas miaou.